Eh bien, salut tout le monde, c'est Augustus pour une nouvelle vidéo, un nouveau débrief. On va parler de Islande-Croatie. L'Islande aurait pu se qualifier en battant la Croatie. Ils n'ont pas su profiter de ça, sachant que la Croatie avait fait tourner. C'était l'équipe 2, et juste Modric et quelques joueurs, on va dire, sur le terrain. Et en plus, Modric, il n'a même pas joué tout le match. Ils ont fait tourner la Croatie. Ils n'ont même pas mis Subasic et tout. Donc voilà, ils avaient l'occasion de gagner ce match. Ils ne l'ont pas fait. Ils sont tout simplement derniers. Du coup, c'est mérité, hein. Il n'y a rien à dire. L'Islande, grosse déception de ce mondial. Ils ont bien commencé contre l'Argentine. Ils avaient fait un petit exploit. Mais ensuite, défaite contre le Nigeria. Défaite là contre la Croatie, équipe B. Donc voilà, élimination méritée, il n'y a rien à dire, c'est dommage parce qu'ils auraient pu terminer deuxième avec une victoire. Il y avait un partout à quelques minutes de la fin. Ils perdaient 1-0, ils ont égalisé et après ils ont pris un but à la fin. Donc voilà, grosse déception, mais gros GG à la Croatie qui affrontera le Danemark. La Croatie qui a fait 3 matchs, 3 victoires. Ils ont dominé facilement cette poule. Rien à dire. Aucune difficulté pour eux de battre l'Argentine, de battre le Nigeria et de battre l'Islande. Donc voilà. Je pense que ça va être une équipe qu'il faudra se méfier dans l'avenir. Le Danemark, ils vont prendre cher contre la Croatie. Ça, c'est sûr que la Croatie va au moins aller en quart de finale. Après, il faut voir contre qui ils tombent. Je crois qu'ils peuvent tomber contre l'Espagne ou un truc comme ça. Donc faut voir. Je pense que pour moi, la Croatie est meilleure que l'Espagne. Ça peut être la grosse surprise de ce mondial. Après, je ne les vois pas non plus gagner la Coupe du Monde. Mais ils peuvent aller au moins en demi-finale. Il n'y a pas de souci. Ils ont le niveau pour. Donc voilà. Pas grand-chose à dire sur ce match. Alors, on va parler vite fait de demain. Corée du Sud, Allemagne, Mexique, Suède, Serbie, Brésil et Suisse, Costa Rica. L'Allemagne, je pense qu'ils vont gagner. Mexique, Suède, la Suède peut se qualifier s'ils battent le Mexique, mais bon, je pense pas. Mexique, ils ont quand même un bon niveau, 2 matchs, 2 victoires, donc voilà. Je pense que l'Allemagne va être deuxième de cette poule sans problème. Après, Serbie, Brésil, là, ça peut être la grosse surprise si la Serbie arrive à battre le Brésil. Sachant que c'est assez serré, la Suisse à 4 points, le Brésil à 4 points, Serbie 3, mais bon, j'y crois moyen, mais c'est possible parce que la Serbie a quand même un bon niveau et la Suisse qui joue contre le Costa Rica, 2 matchs de défaite, donc je pense la Suisse en 8e de finale, donc c'est bien pour eux. Donc voilà, petit débrief, pas grand chose à dire forcément sur ce match, donc voilà, dites-moi si vous l'avez regardé, qu'est-ce que vous pensez, est-ce que vous pensez que l'Islande méritait mieux. Après, voilà, je pense qu'ils n'ont pas mérité de se qualifier. S'ils n'arrivent pas à battre la Croatie, même l'équipe B, à un moment donné, c'est que tu ne mérites pas d'aller plus haut dans la compétition. Donc, bye bye l'Islande.